Bon, bonsoir à tous. Vous voyez, je m'exerce au stand-up. Voir ce que ça va donner. Je suis Vincent Ergotte, du bureau d'études Acouphène. Donc, suite à la présentation de Sandra, je vais faire un point peut-être un peu plus technique sur l'acoustique. Moi, j'interviens sur des projets directement en tant qu'ingénieur chef de projet. Donc avec les calculs acoustiques, préconisation de matériaux, de solutions acoustiques. J'interviens sur le terrain directement. Donc je vais refaire un petit contexte rapide, donc je vais m'adapter à la présentation, je vais éviter de répéter les mêmes choses, enfin essayer. Après, un petit point sur l'acoustique et la thermique, enfin les points qui les rapprochent, les problématiques pour gérer les deux en même temps. Et ensuite, on fera un petit tour de points techniques, un peu comme on a vu à la fin de la première présentation, mais sur plus de points. Très rapidement, vous présenter mon bureau d'études, enfin où je travaille, qui a 27 ans d'expérience. Nous sommes une vingtaine de collaborateurs, travailler sur plusieurs domaines. Donc, le bâtiment est un des domaines. Nous travaillons également sur ville et transport, donc toute problématique des infrastructures routières et ferroviaires, et également le bruit dans l'industrie et au travail, donc sur des projets dans divers domaines d'activité. Nous avons dernièrement développé un pôle de développement sur les vibrations, sur toutes les problématiques vibratoires qui concernent de plus en plus le logement, et on en reparlera, enfin je vous en reparlerai tout à l'heure. Je reviens rapidement sur l'évolution des règles en matière d'acoustique sur les bâtiments de logement. Donc ce sont des principes qui datent quand même un petit peu, c'est-à-dire qu'on a quand même une première réglementation dans les années 70, assez légère, qui ensuite s'est étoffée pour arriver à la réglementation actuelle qui date de 2000, plus des documents réglementaires d'attestation qui ont été ajoutés tout récemment. Donc c'est pas un problème, enfin, ce ne sont pas des problématiques nouvelles, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même encore beaucoup de lacunes dans la construction et dans les résultats à la livraison des bâtiments, des programmes. Donc je ressors quelques chiffres sur des sources récentes, 2013-2014 je crois. Donc un logement sur deux contrôlé par l'État n'est pas conforme sur le plan des exigences acoustiques. Et il me semble que d'ailleurs c'est une source du CEREMA, donc sur une base nationale. Donc sur des prélèvements aléatoires. Et source Qualitel, donc 10 à 25% des opérations HE présentent des non-conformités acoustiques. Donc sachant que le HE, c'est quand même un référentiel de qualité, avec un suivi sur les documents à la conception. Et on arrive quand même à avoir des non-conformités. Alors quand je dis non-conformité, ça ne veut pas dire que le bâtiment est moins jeté. Ça veut dire qu'on a quand même plusieurs endroits où on repère que l'isolement n'est pas suffisant, par exemple. Et les défauts peuvent être dus à la conception, mais également à la mise en œuvre. Enfin, les deux peuvent être mis en cause. Donc je rappelle aussi, petit rappel sur le début de la précédente présentation, qu'il s'agit quand même d'une vraie attente des Français. Donc sur des enquêtes, nous avons des chiffres qui montrent bien que la gêne acoustique, c'est une gêne qui préoccupe beaucoup de monde, qui est importante à intégrer dans les projets. Donc le cadre législatif, donc on travaille sur des bâtiments d'habitation. Si jamais ça vous intéresse, allez voir un petit peu les valeurs qui ont déjà été un peu évoquées. Nous avons l'arrêté du 30 juin 1999 et donc 17 avril 2009 en application dans les DOM pour tout ce qui est exigence. Donc vous avez tous les critères, les isolements, les objectifs qu'on a vu tout à l'heure, DNTA, L'Primente, etc. Les isolements, les bruits de choc, la réverbération. Tout est indiqué là. Donc je fais juste une
toute petite correction par rapport à tout à l'heure. Donc, on parlait aussi donc, pour l'isolation des façades, qu'on partait sur des objectifs par rapport à un classement sonore des infrastructures routières ferroviaires, donc de l'arrêté du 30 mai 96. Il a été amendé assez récemment. C'est, en gros, c'est le même principe. Il y a quelques corrections sur la prise en compte des classements donc par l'arrêté du 23 juillet 2013. Donc, ces deux arrêtés sont les principaux arrêtés qui cadrent les performances du bâtiment, des bâtiments d'habitation. Et en complément, l'attestation acoustique, qui est une disposition mise en place justement pour s'assurer que ces problématiques acoustiques sont bien connues, sont bien prises en compte par le maître d'ouvrage d'abord, qui est responsable de sa construction, et ensuite par l'équipe qui désigne pour réaliser le projet, et qui est sous forme d'un document déclaratif à fournir à la fin du chantier, mais qui concerne, attention, qui concerne toutes les phases. Donc en fait, il faut bien savoir que même si le document est vrai à la fin de l'opération, il faut attester et signer que ça a été pris en compte dès le début de l'opération. Ce cadre est donc tous les critères dont on parle concernent les bâtiments d'habitation collectifs, puisqu'il s'agit d'isolation généralement entre logements, et les maisons individuelles lorsqu'elles sont accolées ou contiguës, superposées, aussi au local d'activité. Donc à partir du moment où on a deux locaux en fait un local tiers à côté d'un logement, on va dire. Passe à la suite. Alors, je vais parler un peu de thermique maintenant. Donc, il y a beaucoup de questionnements sur les enjeux thermiques d'aujourd'hui et leur compatibilité avec les exigences acoustiques. Il faut bien comprendre que la thermique, l'acoustique, une notion d'interdépendance. C'est-à-dire que quand vous intervenez sur des traitements, des propriétés thermiques, vous allez aussi avoir en face des propriétés acoustiques. Et donc, tout le but est de gérer ces matériaux, ces systèmes, de manière à ce que vous puissiez à la fois répondre aux contraintes thermiques et aux contraintes acoustiques. De manière générale, il est nécessaire d'avoir une vision d'ensemble du bâtiment pour gérer tous ces problèmes. D'abord, en termes de conception architecturale, donc, on peut parler des matériaux, on pense peut-être matériaux, polystyrène, laine, verre, c'est plus ou moins bien acoustiquement, mais d'abord, ces problématiques se gèrent au niveau de la conception du projet. L'implantation, l'orientation, le volume, ce sont des éléments qui vont jouer. Quand le concepteur va vouloir favoriser au mieux les propriétés thermiques des bâtiments, ces propriétés thermiques vont peut-être aussi amener des problématiques acoustiques qu'il faut gérer en même temps. Donc deux petits exemples. On peut imaginer éventuellement que le nord est en haut sur mes deux petits schémas. Dans les deux cas, ici on a une voie bruyante qu'on va essayer d'isoler acoustiquement. Les bâtiments sont bien isolés acoustiquement. Dans ce premier cas, la conception ici fait que notre bâtiment va faire une protection par rapport à un tissu plus épars derrière. Donc il va faire une bonne protection pour avoir un milieu calme ici. Sauf que votre milieu calme, pour ce bâtiment-là, il va être au nord. On aimerait bien, nous, plutôt avoir des ouvertures sur le sud. Donc là, première problématique thermoacoustique au niveau du plan. On va vouloir mettre les séjours au sud, mais ça va être bruyant. Pour mettre des terrasses, ça va être un peu compliqué. Donc là, on adopte des traitements acoustiques importants sur cette façade. Dans l'autre cas, on n'a pas de bâtiment de protection. On a un tissu plutôt éparpillé. Solution acoustique, c'est peut-être d'évaluer une protection type merlon ou écran. Donc pour pouvoir derrière profiter de l'orientation souhaitée pour ces bâtiments. Le volume joue également et les ouvertures. Donc plus on va vouloir ouvrir pour apporter de la lumière, plus ça va être compliqué d'isoler acoustiquement, puisque les baies sont des éléments faibles acoustiques qui sont plus compliqués que des parois opaques à isoler. Sur les solutions techniques, donc en façade,
Les isolations des façades, alors bon là je parle surtout pour de la conception béton. Donc là on a pas mal de tendance actuelle à faire de l'ITE, l'isolement thermique par l'extérieur. On a toujours quand même les solutions ITI et voire le cumul des deux qui fait de l'isolation thermique répartie. Sur ces solutions, l'isolation thermique extérieure, en termes d'acoustique, elle n'est pas forcément très problématique, même si on a affaire à des matériaux qui ne sont pas acoustiquement super super, puisque ici, les parois, donc les façades en maçonnerie, vont bien isoler du bruit. C'est plutôt en isolation thermique intérieure qu'on voit plus de problèmes. Donc, sauf cas particulier, si on a des voies classées très importantes, vraiment au pied d'une voie de TGV ou d'une autoroute, il va quand même falloir commencer à regarder un petit peu comment se comportent ces matériaux. Donc, ce sont des matériaux sur lesquels on n'a pas beaucoup, nous, d'informations de performance. Les essais se font de plus en plus sur les systèmes. Pour l'instant, c'est pas forcément évident de compter sur ce type d'éléments pour isoler le bâtiment. En isolation thermique intérieure, on va avoir une autre problématique qui est la transmission latérale, puisque ces doublages, ici, s'ils sont mauvais acoustiquement, ils vont favoriser la transmission des bruits d'un logement vers l'autre. C'est-à-dire que le bruit va se transmettre dans ces matériaux, les matériaux de type mousse de polyuréthane, matériaux rigides, légers, avoir pour effet d'amplifier le bruit transmis dans la paroi et donc venir dégrader l'isolation par rapport au logement à côté. Donc solution, soit des éléments de doublage fibreux, soit des éléments aujourd'hui qui sont de type élastifié. Donc on voit ça sur des polystyrènes élastifiés qui ont les propriétés acoustiques. Et petit élément aussi complémentaire, les rupteurs. Il y a aussi de plus en plus de résultats d'études sur les rupteurs de pont thermique. Donc généralement, on considère qu'à partir du moment où un rupteur de pont thermique en façade est recouvert par un doublage acoustique, généralement on n'a pas trop de problèmes. Ça se passe assez bien. Après, il y a le cas des rupteurs qui se trouvent en pied de baie vitrée, parce que là, on a une coupe sur un mur. Mais qu'est-ce qui se passe sous une baie vitrée? Bon, généralement, il y a un bon colfeutrement à faire pour que ça se passe bien. Éventuellement, il existe, comme ici, des rupteurs de pont thermique qui sont faits à partir de laine de roche qui marchent assez bien. Sur les éléments d'ouverture. Alors, déjà, fenêtres, menuiserie, éléments vitrés. La problématique thermique et la problématique acoustique, on trouve pas les mêmes. En thermique, on va être bon quand on va partir sur du multicouche. En acoustique, c'est pas ce qui nous intéresse. En acoustique, on a besoin d'épaisseur et de masse. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de travailler au niveau des épaisseurs de vitrage. Donc là, l'exemple que je vous donne, c'est en termes d'acoustique, un vitrage 4-16-4, c'est quasiment la même chose qu'un 4-16-4-16-4. On se dit, voilà, mais ça c'est quand même plus costaud. Sauf que les phénomènes acoustiques font que quand vous avez un multicouche d'éléments qui se suivent, qui sont de la même nature, et ben l'onde acoustique, elle va en partie être arrêtée par la première, puis tout ce qui passe, en fait, elle passe les autres comme si, à partir du moment où elles ont réussi à passer la première, ben, elles passent les autres de la même manière. Donc c'est très schématique, mais bon, c'est pour comprendre un petit peu. Donc en termes d'acoustique, quand on va avoir une forte isolation nécessaire en façade, on va plutôt travailler sur des épaisseurs donc de verre et également du feuilletage, donc c'est-à-dire des verres un peu comme les verres protect, enfin protection. Vous avez un feuillet au milieu de deux verres, il existe des feuillets acoustiques qui permettent de bien améliorer les propriétés acoustiques. Sur les coques de volets roulants, la problématique thermique, elle va être bon, bah, d'isoler au mieux le coffre pour éviter, bah, comme on a un élément qui contacte avec l'extérieur, ici, venir bloquer le passage d'air frais et donc de fraîcheur à travers le coffre avec un isolant qui, lui, pas forcément super au niveau acoustique. Donc au niveau acoustique, ça, c'est un élément qui est très léger. C'est-à-dire qu'on a un élément rigide ici, léger, qui transmet le bruit, le capotage
Bah, il est léger aussi, c'est un petit truc en PVC souvent. Et donc là, niveau acoustique, c'est pas top. Dès qu'on va chercher, pareil, à partir sur des classements de façade qui sont pas forcément le minimum, dès qu'on a une voix un peu bruyante à côté, ben, ça va pas suffire. Donc là, les solutions, c'est des renforts sur les parois. Donc quand je dis renforts, ce sont des plaques de bitume. Donc quelques millimètres assez lourdes qui viennent apporter de la masse. Et après, on peut après partir sur un isolant aussi plus performant acoustiquement. Et là, comment combiner l'acoustique, la thermique, puisque si on met de la laine minérale, ça sera moins bien que du polystyrène. Donc là aussi, l'enjeu est à cet endroit-là. Oui, je précise que donc tous ces éléments sont validés sur PVDC acoustique. Donc on est toujours nous en demande de PV d'essai pour pouvoir valider les systèmes. C'est-à-dire quand on travaille sur des calculs pour assurer les résultats de confort réglementaire dans les locaux, dans les logements. Mais on se base sur des valeurs, alors d'expérience, mais beaucoup sur des valeurs en laboratoire. Donc, quand on part sur une solution qui est une solution adaptée au projet pour des contraintes thermiques, acoustiques, il est toujours bon de pouvoir mesurer un système, donc travailler avec les fabricants pour valider les performances et nous valider ensuite les calculs. Donc ça passe par des PV d'essai qui sont réalisés en laboratoire, par exemple par le CSTB. En toiture, alors je raconte rapidement les toitures pour dire que tout ce qui est système d'isolation par-dessus, donc sur isolation, donc sarking, panneaux sandwich qui sont chevronnés, ce sont des éléments qui acoustiquement ne font pas forcément apporter de problématiques à partir du moment où ils vont être avoir un complément par le dessous. Donc si on est sur une toiture existante, qu'on vient apporter des choses par-dessus, c'est ça ne va pas dégrader forcément l'acoustique. Donc généralement, sur une toiture, par exemple, une isolation d'un comble, d'un pan de toiture, on va avoir des éléments ici d'isolant complémentaire sous une couverture. Et après, c'est notre traitement de plafond avec un isolant type laine de verre et la fermeture plâtre, par exemple, qui va suffire à l'isolation. Et pour les combles perdus, pareil, si c'est de la réhabilitation, le fait d'ajouter de la masse sur le plancher, d'ajouter un isolant, c'est toujours très bien au niveau acoustique. Là, j'aborde les problématiques de plancher. Donc isoler les planchers, par exemple un plancher sur un local commun d'un bâtiment. L'isolation thermique se fait souvent par flocage, donc flocage de matériaux projetés ou collés. Là, on est principalement sur les problématiques de produits. Donc là aussi, il existe des produits qui permettent de ne pas dégrader l'acoustique. Parce que le plus important, c'est de ne pas dégrader. La plupart du temps, on est sur le même plancher que le reste du bâtiment. Et il ne faut pas que ces produits viennent dégrader quelque chose qui fonctionne pour les autres locaux qui sont isolés. Donc certains flocages à base de polystyrène, donc en flocage projeté ou collé, dégradent l'acoustique. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'on risque d'avoir des surprises à la réception entre un isolement de locaux déjà isolés et entre un local isolé et un non isolé. Avec cet élément, on risque du coup de ne pas avoir la même performance. Donc généralement, ce sont des produits à base de laine minérale. Et dernièrement, l'isolation par chape. Donc là également, vous avez tout un tas de systèmes qui permettent de conserver les propriétés acoustiques, voire même de les renforcer, avec une performance qui sera d'autant plus importante si cette chape a des propriétés un petit peu souples, enfin la sous-couche, sous-chape un petit peu souple. Donc par exemple des panneaux laine de roche. Donc après, ce sont des solutions à adapter cas par cas selon les projets. Si le plancher est déjà assez lourd, il n'y a pas forcément besoin de partir sur une chape très, très compliquée, peut-être une chape avec un isolant assez mince. La ventilation, donc en thermique,
plusieurs systèmes de ventilation de logement peuvent être abordés. Donc ici, je vous ai les classés par performance d'isolation acoustique. Donc la ventilation naturelle, c'est une ventilation qui va plutôt maximiser le nombre d'ouvertures sur l'extérieur. Plus on est ouvert sur l'extérieur, bah, moins on va être bon acoustiquement. Et ensuite, par rapport à la simple flux, la double flux va être plus performante vu que on va éviter les entrées d'air. Donc pas d'entrée d'air, pas d'entrée de bruit, donc plus performant acoustiquement. Et je vous ai mis un petit tableau ici assez succinct pour parler du traitement des bruits dans les logements par rapport aux appareils de ventilation, de VMC, groupe VMC. Donc je vous ai rangé par ordre un petit peu de priorité. C'est-à-dire que dans un premier temps, si vous voulez éviter les problématiques de bruit dans le logement, c'est d'abord de bien sélectionner votre appareil. Il existe une gamme pléthorique d'appareils. Ils n'ont pas tous les mêmes qualités acoustiques. Donc si vous partez sur un appareil qui est déjà pas très moyen, vous aurez tout de suite moins de problèmes pour le bruit qui arrivera dans le logement. Et deuxièmement, un appareil, généralement, en ventilation, s'accompagne toujours d'un piège à son qui permet d'atténuer le bruit, donc un élément qui se met sur le réseau au piquage des centrales pour atténuer le bruit, donc composé de baffles, de matériaux type laine de roche. Et ensuite, j'ai coupé en deux, donc il y a deux problématiques sur les équipements, donc le bruit dans les logements, le bruit intérieur, mais également le bruit extérieur. C'est-à-dire que quelque chose dont on n'avait pas parlé, c'est que les bâtiments de logement, comme tout bâtiment, doivent respecter les règles de bruit dans le voisinage, donc le bruit qui va impacter les voisins. Puisque si vous installez votre CTA sur un mur ou juste à côté de la limite de propriété et que vous avez une maison avec une fenêtre qui donne devant, ça va un peu le gêner. Donc il existe des règles cadrées par la réglementation de bruit de voisinage, dernière version 2006, si je ne me trompe pas, qui cadre donc les conditions de bruit acceptables par tout projet. Donc pour traiter ce bruit extérieur, on a d'abord la sélection de l'appareil et puis le piège à son pour éviter que le refoulement de cette VMC fasse trop de bruit. Et puis bien sûr, des choses quand même assez évidentes, c'est l'emplacement. C'est-à-dire ne pas placer cette VMC juste devant la maison du voisin. Et si jamais le projet fait que cet emplacement est problématique, eh ben, mettre une protection, un écran, ou mettre dans un local. Pour le bruit intérieur, au-delà du piège à son, pareil, la VMC isolée dans un local, si jamais elle risque de se retrouver sur une terrasse, ça risque d'être gênant quand même. Et après, on a les problématiques de gaine technique, donc le bruit qui est véhiculé dans les gaines techniques. Il faut généralement encoffrer les gaines qui véhiculent dans le bâtiment. Très important, un réseau équilibré. Les problématiques de bruit dans les réseaux sont souvent le cas de réseaux déséquilibrés, donc avec des flux d'air trop importants, des pièces qui sont mises en vibration. Et il arrive souvent que quand on réalise des mesures sur des chantiers tout juste livrés, on a des non-conformités sur la ventilation uniquement parce que le CVCiste n'est pas passé faire ses réglages de réseau et du coup on se retrouve à avoir des réseaux qui soufflent quasiment rien et d'autres qui sont plein pot et ont du coup trop de bruit. Et dernièrement, les vibrations. Un équipement technique type VMC, ça génère des vibrations, toujours à installer sur des plots antifibratiles. Voilà, je passe au point technique par domaine de construction, peut-être pas exactement par métier. En maçonnerie, alors la maçonnerie, niveau acoustique, généralement ça nous arrange bien, parce que c'est des matériaux lourds, et la masse, c'est toujours bien pour atténuer les bruits. Donc les problématiques qu'on va avoir au niveau de la maçonnerie sont plutôt de bien gérer les points particuliers, donc par exemple joint de dilatation. Donc là pour avoir par exemple un petit écart qui est laissé, faudra bien le calfeutrer avec un matériau acoustique. Donc aujourd'hui, parce que je vais quand même vous parler de problématiques assez actuelles. Ah bah j'avais pas vu que j'avais mis des animations.
Voilà, la problématique plus actuelle dans en maçonnerie, c'est les problématiques de transmission de bruit par vibration des infrastructures de transport. Avec les bâtiments qui se construisent de plus en plus près des voies routières et ferroviaires, on voit toutes ces zones anciennement d'entrepôts qui se transforment en zones de logement. On a quand même toujours les trains qui passent et la problématique, ce sont ces vibrations qui se transmettent dans le sol par passage de train, qui sont des vibrations, enfin, vu le matériel, le poids du matériel roulant, ces vibrations sont assez importantes, se propagent selon le type de sol, peuvent se propager assez loin. Et ensuite, une fois arrivé au pied du bâtiment, c'est une erreur de penser que parce que votre bâtiment est massif et lourd, il arrêtera les vibrations. Un bâtiment ossature béton peut très bien, au contraire, amplifier ces vibrations. C'est-à-dire qu'il va capter les vibrations qui arrivent dans le sol et ensuite les faire remonter dans les murs. Et une fois arrivé dans les murs, ce bruit va rayonner. Donc les vibrations vont exciter les dalles, les murs. D'autant plus si vous avez des petites cloisons légères qui sont fixées directement sur les parois. Tout ça va se mettre en vibration et vous aurez ce qu'on appelle le bruit solidien. Donc ce bruit solidien, si vous avez une voie qui est à moins de 20 mètres, il peut être important et il peut entrer en compte dans la gêne, mais même également dans les critères réglementaires. C'est-à-dire que ce bruit, en fait, il peut très bien atteindre les niveaux de bruit fixés par la réglementation. Donc la réglementation dit que le niveau sonore des bruits d'équipement ne doit pas dépasser, bon, généralement dans les chambres à coucher, c'est 30 décibels, 30 dBA, on parle de la pondération A. Et ben en fait, ce niveau-là, ça s'applique très bien au passage des trains, donc d'infrastructures de transport et par rayonnement de bruit solidien. Donc pour prendre en compte ces problématiques, chez Acouphène, je fais un petit peu de promo, on a développé donc des outils de prédiction et on fait aujourd'hui des diagnostics pour évaluer ces problématiques-là et ensuite déterminer les solutions. Alors les solutions, elles sont de quel ordre? Je vous en ai mis quatre types en bas. Donc c'est principalement ce qu'on appelle la désolidarisation. C'est-à-dire qu'en gros, on va couper le lien qui amène ces vibrations vers le bâti. Donc ça peut être donc une sorte de semelle installée. Donc ça c'est du matelas anti-vibratile qui fait quelques centimètres à mettre en fond de construction. Si jamais le sous-sol ne nous intéresse pas trop, parce qu'en fait, le sous-sol, bah, généralement, c'est des parkings ou autre, on va protéger les étages. Donc à ce moment-là, on vient suspendre le bâtiment. Donc installer des semelles, donc soit des semelles en matériaux type un peu caoutchouteux adaptés, soit ce qu'on appelle des boîtes à ressorts. Donc les boîtes à ressorts, comme leur nom l'indique, c'est des ressorts dans des boîtes et le bâtiment tient sur ces ressorts avec bien sûr une infrastructure, enfin une ossature adaptée pour venir se mettre sur ces points d'ancrage. Et dernièrement, solution qui peut être envisagée, si on a un ensemble de bâtiments avec différents programmes, imaginons bureaux et logements. Eh ben, le principe, c'est de mettre plutôt les bureaux côté voie ferrée, séparer la construction de manière à ce qu'on n'ait pas de contact direct pour avoir les logements, eux, qui ne vont pas être directement impactés. Puisque si jamais il y a connexion entre les bâtiments, la vibration qui va arriver dans le premier va se transmettre très rapidement dans le second. Donc, contrairement aux bruits aériens, les bruits solidiens se transmettent très bien et sur des grandes distances. Dans des matériaux un petit peu lourds comme le béton. Une dalle béton, ça peut transmettre une vibration sur plusieurs centaines de mètres. Je passe aux ossatures bois, donc un petit point, comme on est dans 5 à 7 de l'éco-construction, je parlais un petit peu du bois. Les constructions en bois, ce qui va compter beaucoup, c'est l'épaisseur et les couches. Donc dans le cadre de l'effet masse-ressort-masse dont on a parlé tout à l'heure. L'ossature bois, on va chercher donc à avoir une bonne épaisseur avec un isolant au milieu qui va être donc plus efficace et donc toujours un mot d'ordre que j'ai mis un peu partout, c'est l'étanchéité des systèmes puisque le bruit passe par n'importe quelle petite fissure et on a par rapport à toute problématique d'étanchéité à l'air, on a quand même une correspondance avec l'étanchéité acoustique.
La problématique de l'ossature bois, ça va être surtout sa souplesse. On a aujourd'hui systèmes qui permettent de répondre aux problématiques réglementaires logement, mais vous aurez toujours une différence de ressenti au final. Pourquoi? Parce que les calculs acoustiques faits pour déterminer les mesures, il faut quand même juste faire un petit aparté, les valeurs réglementaires qui sont données pour les bâtiments de logement, ce sont pas des valeurs qui font l'alpha et l'oméga toute l'acoustique, ce sont des indicateurs assez simples pour pouvoir être comparables. Mais c'est des moyennes qui sont faites sur des gabarits. Et quand vous avez des systèmes avec des comportements différents, vous pouvez vous retrouver avec le même résultat final, mais avec des phénomènes différents. Donc là, j'ai un exemple, je vous ai représenté ici. Ça, c'est le niveau de bruit, un niveau de bruit de choc qu'on mesure. Donc le bruit de choc, c'est avec la machine à choc, avec tous les marteaux qui tapent sur le plancher du dessus, puis on mesure en dessous. Et là, on a une courbe avec un plancher bois et une courbe avec un plancher béton qui est représenté. Donc on a la valeur mesurée en décibels. Et ici, par fréquence. Donc là, on part, je les ai affichés en bande octave, hein, nous on travaille en bande octave, donc on va de 63 Hz à 4000 Hz. Et donc vous voyez qu'on n'a pas du tout le même comportement. Pourtant, on a quasiment la même valeur au final, en indice global, qui est ensuite comparé à la réglementation. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? On voit que voilà, à peu près au-dessus de 125 Hz, on a un grand dépassement du plancher bois. En fait, ce sont tous les bruits sourds. Donc là, quand on marche, quand il y a des chocs d'objets lourds, on les entend beaucoup plus qu'une dalle béton qui va tout de suite amortir. Par contre, après, avec l'effet masse-ressort masse, on devient très performant. Donc on n'entend pas passer les bruits aigus. En pointillé, c'est l'amélioration qui est ajoutée par un tapis, ou ça peut être un sol souple, une sous-couche acoustique, qui vous montre que la dalle béton, elle est bonne aux basses fréquences, mais après, elle n'est pas forcément terrible, donc il faut quand même apporter de l'amortissement. Et là, on est bon. Par contre, ces sols souples, ils ne sont pas du tout efficaces aux basses fréquences, donc ils ne sont pas efficaces pour le plancher bois. Donc, dans le bâtiment, on peut faire des essais spécifiques pour évaluer la problématique basse fréquence. C'est des mesures qui sont avec des gros ballons, le caoutchouc, on appelle les ballons japonais. Mais ce n'est pas pris en compte dans la réglementation. Par contre, c'est important à prendre en compte dans les faits et la gêne ressentie après. La solution sur les planchers bois pour éviter ça, eh ben, c'est d'apporter de la masse, tout bêtement. Hein, on cherche toujours à avoir de la masse. Donc on peut chercher des solutions type béton-bois, donc un mélange. Généralement, on va partir sur un plancher support, on va avoir un doublage en dessous avec de l'isolant, on ferme en panneau bois ou en placo, et puis par-dessus, on aura une petite épaisseur, donc ce sera moins lourd qu'une dalle béton, mais on aura peut-être 10-12 cm pour venir rigidifier et éviter ces problèmes basse fréquence. Et deuxième solution, c'est de venir désolidariser les ossatures bois. Donc on va mettre des plots anti-vibratiles bien disposés pour filtrer les problématiques basse fréquence. Donc là, je vous ai mis trois exemples de façades ossature bois pour montrer un petit peu comment on peut traiter aujourd'hui, enfin comment ça se passe souvent. J'ai beaucoup de projets sur lesquels on reste quand même en ossature béton avec des planchers, mais on part en façade bois. Donc là, on voit bien le complexe avec un parement, une première couche d'isolant, et puis une seconde qui généralement est un petit peu indépendante et fermeture. Donc là, il y a une bonne épaisseur ici qui est suffisante pour isoler par rapport à l'extérieur. Et on gère la problématique de passage entre logements superposés par voilà, le fait de se raccorder sur une dalle béton, on aura une bonne étanchéité. Et en thermique, la problématique est déplacée ici, donc pour éviter quand même d'avoir un pont phonique à côté intérieur logement. Dans le cas d'une façade qui va se vouloir filante, la problématique va être plutôt de transmission aérienne, c'est-à-dire qu'on va avoir le bruit qui risque de passer ici. Donc pour éviter ça, il faut bien qu'elle feutre là. Et après, le doublage aussi fait un complément. Et le dernier exemple, c'est si vous voulez partir vraiment en tout bois. Des solutions sont proposées sur des panneaux
des panneaux durs, donc ça va être moins lourd que des dalles béton. C'est pour ça que généralement on a un complément de chape. Et la problématique de ces panneaux-là, c'est la transmission solidienne, c'est-à-dire le bruit va être capté par le mur et ensuite il va être transmis par la matière jusqu'à l'étage et être rayonné. Donc pour ça, il nous faut des éléments, donc des plots anti-vibratiles pour disconnecter acoustiquement ces éléments. L'étanchéité, alors je vais faire un petit tour rapide hein, des différents types d'ouvrages bâtiments, mais il y en a certains sur lesquels on n'a pas trop de problème. L'étanchéité, c'est le cas. En tout cas, sur les bâtiments d'habitation, la plupart du temps, on est sur du système bitume. Donc la problématique ne concerne que les terrasses à l'extérieur, enfin tout ce qui est espace accessible au-dessus des logements. Donc la plupart du temps, ça sera des terrasses qui dépassent au-dessus de logements, de pièces de logement. Et donc, on a très peu de retours d'essais, mais on sait que ça marche bien, et à chaque fois qu'on a mesuré, ça marche bien, donc ces éléments bitumineux. Alors par contre, attention, il y a de plus en plus de types d'étanchéité qui sont maintenant de type résine, qui n'ont pas ce caractère d'épaisseur et de souplesse. Là, on peut avoir des problématiques de transmission de bruit et ne pas être conforme. Donc dans ces cas-là, le mieux, c'est d'avoir un revêtement de sol avec plots anti-vibratiles. Donc, typiquement, des dallettes sur plots. Et les plots vont être posés sur des petits plots, des petits supports anti-vibratiles, pour éviter de mélanger les termes, qui seront adaptés et qui amortiront les bruits. Pour la menuiserie extérieure, les problématiques principales sont les vitrages et la technicité du profil. Entre deux produits de technicité différente avec le même vitrage, vous avez des écarts de plusieurs décibels. Donc en particulier, dans l'ordre, si vous voulez, le PVC, généralement, va être un petit peu moins bon que l'alu, et encore, ça dépend, vous avez des fois des profils des PVC qui sont bien costauds, et le bois béton, on arrive à avoir des propriétés assez fortes, toujours avec le même vitrage. Donc l'étanchéité, point très important. Ici un petit exemple de mauvaise étanchéité. Bon là c'est visible, hein, je pense que personne laisse passer ça. Mais souvent on ne se rend pas compte du problème d'étanchéité. Nous on le sent quand on fait la mesure. On met la source sonore, comme expliqué Sandra tout à l'heure. La source sonore on la met dehors, nous on est dedans, puis on entend très bien d'où vient la fuite. Et ce sont des problématiques, j'ai un manque de calage, donc c'est toujours important de bien demander aux menuisiers de repasser, recaler ces fenêtres. Souvent, les menuiseries bougent entre leur pose et même la livraison du bâtiment. Donc il est important de penser à régulièrement les caler. Petit point sur les autres problématiques de menuiserie extérieure, les entrées d'air, les coffres de volets roulants. Je vous ai fait une petite classification pour avoir une petite idée des solutions qui sont typiquement utilisées sur les bâtiments d'habitation. Je vous ai mis dans l'ordre de performance. Donc ici, je vous ai mis un petit critère. Alors pour vous, ça a l'air d'être du charabia. C'est l'indice qui est utilisé pour la performance d'un élément type entrée d'air. Donc en gros, il est mesuré en laboratoire. Ils mettent juste l'entrée d'air sur un mur très isolé et ils mesurent ce qui passe. Et donc ça nous donne des valeurs en décibels avec des catégories qui vont de la simple entrée d'air. L'entrée d'air acoustique, donc légèrement un petit peu plus grosse, qui fait 4-5 cm d'épais. Et ensuite, si vous avez besoin de plus performant, ce sont des systèmes qui vont être intégrés dans le mur. Donc je précise que les petites entrées d'air standard, la plupart du temps, en logement, ça passe pas. Même sur la valeur la plus basse réglementaire, généralement, ça passera pas. Il faudra au minimum une entrée d'air acoustique qui sera entre 37 et 42 décibels. Et ensuite, selon le type de sollicitation extérieure, classé, etc. Il va falloir monter sur des systèmes plus importants du type caissons qui vont être donc soit installés au-dessus de fenêtres, soit dans la maçonnerie, soit des systèmes en direct en maçonnerie avec un élément absorbant intérieur. Donc sachant voilà, que la performance va dans ce sens-là. Donc très important à savoir le calcul et la prévision acoustique en façade sur ces différents éléments va dépendre beaucoup du nombre d'éléments présents. Si vous n'avez qu'une seule fenêtre, du double flux,
et un coffre de volet qui va être extérieur, et en fait, il n'y a que la fenêtre qui joue. Donc, c'est très facile d'optimiser. Maintenant, si vous avez une ou plusieurs entrées d'air, un coffre de volet en traversant, tout va s'accumuler et vous êtes obligé d'aller probablement renforcer un peu plus la menuiserie, la fenêtre par rapport au cas précédent, et d'aller aussi trouver des solutions compatibles et également adaptées en performance acoustique. Donc les coffres de volet roulant, il existe aussi une gamme assez large de performance, comme on l'a vu tout à l'heure, en fonction des renforts dans les coffres. Les problématiques, ça va être surtout les problématiques d'étanchéité. Donc sur la pose, le fait que par rapport à la réservation, l'étanchéité se fasse bien. Donc les problématiques principales des coffres de volet roulant, c'est à cet endroit-là. Généralement, quand le bloc est posé, le bloc étant bien isolé et dimensionné, il n'y a pas de problème. C'est plutôt voilà, par rapport à la réservation qu'aura fait le maçon. En plâtrerie, on est un petit peu comme les ossatures bois, c'est-à-dire qu'on va beaucoup jouer sur les couches, l'épaisseur, et éventuellement notre désolidarisation. Donc quand on cherche des performances très élevées, éviter que les parements de chaque côté aient des connexions trop importantes entre eux. Et l'étanchéité, toujours point important. En logement, aujourd'hui, on cherche de plus en plus à avoir des solutions épaisseur réduite. Donc, il y a quelques temps, on avait des solutions type toutes tracées, et puis de plus en plus, on va gagner des centimètres, on va gagner des mètres carrés en grattant les centimètres. Donc, on va chercher des épaisseurs plus faibles. Donc, au lieu d'être à 18-20 cm, on passe à 16 cm. Et les solutions actuelles proposées par les fabricants, ce sont des solutions un petit peu comme vous voyez ici, c'est-à-dire que au lieu d'avoir deux ossatures qui vont chacune prendre de l'épaisseur et qu'il va falloir écarter, on part sur une ossature alternée, donc les plaques ne sont jamais solidaires puisqu'elles sont toujours fixées sur des ossatures, des montants différents. Pareil, on évite les rails périphériques uniques, on part plutôt sur des cornières, donc qui du coup vont être deux éléments séparés de chaque côté. Et on passe sur des plaques haute dureté ou avec un feuilleté. Donc ça marche un petit peu comme les vitrages. Aujourd'hui on met des feuilletages entre les plaques de plâtre pour qu'elles soient plus efficaces acoustiquement. Et enfin, problématique assez importante, c'est attention aux ajustements de chantier. C'est-à-dire que les principes, les performances des cloisons sont calculées pour des éléments qui vont être entiers, complets, entre pièces. Si on commence à ajuster, à réduire les épaisseurs, on va avoir des problématiques ici de faiblesse acoustique. Et ce qu'on peut souvent avoir aussi donc, en problématique plâtrerie, c'est les problèmes d'étanchéité. En raccord, par exemple en façade, quand on va ici être au ras d'une menuiserie, comment ajuster ici la plaque de plâtre pour qu'elle arrive bien. Donc là, on voit qu'ils ont fait un décroché pour être sûr de ne pas arriver sur la fenêtre ou déborder, enfin, chose de propre. Mais au niveau acoustique, ça peut poser des problèmes d'étanchéité. En menuiserie intérieure, donc j'ai exactement le même, sur une autre photo, le même problème que tout à l'heure. Attention sur les portes palières, à bien avoir un joint sous la porte palière pour assurer son efficacité acoustique. Alors d'ailleurs, je précise que quand les portes palières sont préconisées sur un indice acoustique, une performance intrinsèque, comme on l'a vu tout à l'heure, sauf que quasiment tout le temps, cette performance intrinsèque sera mesurée en laboratoire, fournie par le fabricant et mesurée en laboratoire, avec un joint. Donc si ce joint n'est pas présent, ben en fait, il n'est pas conforme au PV. Donc attention à la mise en œuvre. Si jamais un jour vous mettez en œuvre une porte sans joint, ben, faut s'assurer que le PV corresponde. Parce que là, vous faites un trou, c'est plus raccord. Oui, donc bien sûr, la performance de la porte va dépendre de son étanchéité et puis de la performance de lame de porte, du ventail. Pour des portes palières, il nous faut bien sûr une âme pleine. Et voilà, et on verra, la problématique de désolidarisation se porte sur généralement sur l'escalier de duplex. Alors on a tendance à faire poser par le menuisier des escaliers qui ont l'air comme ça, c'est simple, sauf que si votre logement avec l'escalier se situe au-dessus d'un autre logement,
Imaginons classique solution d'Albéton, bah en fait, les bruits de pas sur cet escalier vont se transmettre un petit peu partout, vont se transmettre principalement aux appuis de manière importante, et puis par les limons se transmettent au mur. Donc tout ça va finir par donner des niveaux non conformes dans le logement du dessous. Donc les solutions, c'est de désolidariser. Tout simplement éviter de coller le limon au mur, s'il doit être très près, éventuellement mettre une bande de matériaux souples, et puis traiter au pied, avec soit du matériau souple, soit diverses solutions, des petits bouts de chape acoustique ponctuelle, des choses comme ça. Ah, petite erreur, c'est pour de la serrurerie, c'est pas du carrelage, c'est après le carrelage. En serrurerie, les problématiques principales, c'est les problématiques de portail, porte automatique, porte de garage. Dans les essais qui sont faits pour les bons équipements, on va aussi aller bouger des portes de garage. Quand vous avez des sous-sols parking avec des logements rez-de-chaussée, eh ben, on va venir soulever les portes de garage et souvent ça fait du bruit dans le logement au-dessus parce que le bruit de coulisses est souvent le bruit de butée. Quand vous avez le choc contre la butée du ventail qui s'est ouvert, et ben se transmet dans la structure. Et quand vous avez des fixations directes, et ben ce bruit se propage très bien et est rayonné dans le logement du dessous. Donc la solution, pareil, les fixations, si jamais le portail vient se fixer juste en dessous d'un plancher de logement ou à côté d'un mur de logement, c'est de toujours pareil, des patins antivibratiles aux fixations. Donc les sols souples. Alors les sols souples, ce sont des choses que nous on aime bien en acoustique aussi, parce que ce sont des matériaux qui apportent des gains importants. Donc pour le traitement des bruits de choc, hein, bruit de pas, amortir les bruits de pas, et puis qui au niveau mise en œuvre sont assez bien en fait. Comme le matériau est souple en lui-même, il n'y a pas trop de problématiques, de détails de réalisation. Donc là ce que je vous montre juste, c'est attention, il existe tout un tas de catégories de sol souple, et là on voit, donc ici c'est la performance donc, qui est exprimée en delta LW, donc c'est l'amélioration au bruit de choc, hein. Donc plus on est élevé, mieux c'est, en fréquence, donc on voit que ce sont des matériaux qui agissent surtout en haute fréquence, donc je reviens sur la problématique des planchers bois, pas très utile pour un plancher bois, par contre pour une dalle béton, ou tout ce qui est maçonnerie, poutre alourdie, etc., c'est très bien. Le carrelage, comme tout à l'heure on avait vu aussi une image sur le carrelage, c'est une problématique très régulière, beaucoup de non-conformités sur les carrelages. Donc les principes, d'abord un carrelage en logement, ça doit être posé sur une sous-couche, donc soit une sous-couche en pose collée, soit sous une chape. Attention en pose à la qualité du support et au traitement d'éléments ponctuels, dont plainte. Donc là on voit un carrelage qui a été collé en direct, c'est pas terrible. Ici, voilà, on a la problématique du support. Donc là, on voit que le support n'est pas très propre. Le problème, c'est que si le support a beaucoup de granulosité, il est susceptible de venir traverser la sous-couche et donc faire des points de liaison direct avec la chape qui va être faite au-dessus. Donc, transmission acoustique, hein, dès qu'il y a un petit passage, le bruit va passer, ne vous inquiétez pas. Et ici, on voit, là, on voit que c'est pas très proche. Hein. La sous-couche doit être bien posée en continu. Pas de recouvrement complet. Hein. Bien sûr, les recouvrements un petit peu aux jonctions. Et puis, là, on voit que on peut pas couler là-dessus, c'est pas possible. Ici, on voit un petit repérage après coulage qu'ici, le relevé ne s'est pas bien fait. Et relevé pas bien fait, ça veut dire contact direct entre le carrelage et le mur. Donc, ensuite, on va avoir transmission de bruit. Ici, j'ai un petit schéma pour expliquer le type de pose. Avec. Donc ici, c'est surtout la problématique des plaintes. Alors, les plaintes, c'est quelque chose, pareil, on a la tendance à, on fait la sous-couche acoustique, c'est bon, c'est fait, l'acoustique, c'est géré, puis ensuite, le cadreur vient mettre les plaintes, et puis, il vient mettre la plainte avec son mortier, et tout est jointé, sauf que le problème, c'est que, souvent, le relevé, il est bien arasé au propre, avant de venir faire les plaintes, donc du coup, la coupure acoustique, elle s'arrête là, et après, la plainte est venue et est collée en direct, donc tout ça, du coup, ça fait que le carrelage est mis en liaison avec la plainte qui est en liaison avec le mur, donc le bruit se transfère.
Donc pour éviter ça, joint souple ou joint creux éventuellement. Bon, joint creux, c'est peut-être pas très propre. Il vaut mieux remplir avec un joint souple. En électricité, bon, il y a assez peu problématique en électricité. Seulement de bien faire attention aux encastrements quand il y a des appareillages encastrés en cloison. Éviter de les mettre dos à dos en cloison légère, parce que du coup, ça fait bon phonique. Et là, j'ai un exemple de réservation qui sont en plafond au niveau. Donc là, c'est les rails de la cloison. Et donc, question, bah oui, est-ce que on va pas avoir le bruit qui va passer par ces plots. Donc voilà, ouais, c'est des petites problématiques ponctuelles. Et oui, bien sûr, dès qu'il y a des traversées, donc éviter les traversées entre logements, et quand on a les traversées techniques, de manière générale, les calfeutrés, donc calfeutrement avec de la laine minérale, généralement éviter, surtout pas de calfeutrement avec de la mousse de polyuréthane. Plomberie sanitaire, problématique de plomberie sanitaire, toujours une question de désolidarisation des appareils. En coffret, tout ce qui est conduite, de manière générale. Problématique de rebouchement des trémies. Donc il y a des réservations généralement faites aux gros œuvres pour faire passer les réseaux. Il faut que ces trémies soient rebouchées, sauf que quand on les rebouche, si on ne les prévoit pas bien, tout est noyé et du coup les vibrations qui sont créées dans les conduits d'évacuation se transmettent dans les parois et ensuite le bruit est propagé vers les pièces de vie. Donc un petit mot sur le classement EAU et je crois que c'est ECAU aussi ou NF. Donc il y a des essais réalisés sur les appareillages, donc tout ce qui est mitigeur, robinetterie, sur le niveau acoustique de ces appareils. C'est une bonne indication pour ensuite le confort par rapport aux transmissions des bruits de fonctionnement de ces appareils. Donc là j'ai un petit exemple de bonne pose de bac. Avec un exemple ici d'un sol, donc une dalle support, une chape avec sous-couche acoustique, de carrelage collé dessus, donc ça marche bien. Et puis après, vous avez une réservation pour un bac de douche, donc cette réservation pardon, est un point faible acoustique. Donc à gérer avec une bonne étanchéité, et puis joint souple pour éviter de transférer les vibrations entre éléments de sol et puis des patins acoustiques sous les pieds. Donc c'est un peu le même traitement pour les peignoirs. Et voilà, et là j'ai des beaux exemples de problématiques acoustiques. Donc c'est les conduits noyés dans les dalles. Là on a des réservations qui ont été rebouchées. Les conduits sont noyés. Quand les conduits sont noyés, tout passage de... Donc ici on a deux éléments différents, là on est plutôt sur de la ventilation, ici sur de la plomberie. Dans les deux cas, il y a mise en vibration, c'est-à-dire qu'ici, pour avoir mise en vibration par la perturbation de l'air, par quelques transmissions résiduelles de vibration du caisson. Et ici, c'est quand vous avez un passage d'eau, d'évacuation, mise en vibration aussi. Donc la vibration se transmet directement par ce rebouchement. Et par rayonner dans le logement. Donc la solution, c'est un fourreau, toujours un fourreau en matière antivibratile, fourreau quelques millimètres, à entourer, à bien faire dépasser de chaque côté pour éviter ça. Et bien faire dépasser parce que souvent les maçons, ils travaillent pas au millimètre, les maçons. Et là, un autre cas, donc là on a bien le fourreau, c'est très bien, sauf que, dommage, vous avez une liaison directe avec le sol, par le support et le collier. Voilà, c'est loupé. Bon, après, j'exagère un peu, parce que généralement, les plombiers font ça pour maintenir le conduit avant que les dalles soient bien rebouchées. Donc généralement, ils détachent, mais il faut y penser. Voilà, j'ai une belle image de traitement acoustique d'un caisson. Donc, pour traiter en ventilation, donc problématique de centrale, vous avez la centrale posée sur un massif, donc normalement avec des plots, ou alors éventuellement la machine a déjà un moteur qui est suspendu acoustiquement. Pour éviter la vibration, donc c'est quand même un caisson qui vibre, éviter la transmission de vibrations dans les conduits, des raccords souples, ici,
donc de chaque côté. Et puis piège à son, là on en voit, hein, c'est des éléments qui sont un petit peu plus épais. Donc là c'est un traitement propre d'un groupe d'extraction. Et sur les problématiques de transmission de vibration, là on est peut-être plus sur de l'individuel, attention aux pompes à chaleur qui vibrent et qu'il faut aussi désolidariser, donc soit éventuellement poser sur plot, soit voilà, ne pas noyer, mais avoir un élément qui vienne faire interposition entre l'ossature et le mur. Tac. Dernièrement, les ascenseurs. Alors, la problématique des ascenseurs, c'est principalement les moteurs. Généralement, on les met en gaine maçonnée. C'est mieux pour amortir tous les bruits de fonctionnement. Les ouvertures de portes, fermetures de portes, fonctionnement, petit fonctionnement mécanique. Plus c'est rodé, mieux ce sera pour éviter le bruit sur les paliers, puis ce qui va se transmettre dans les murs vers les logements. Donc le principal source de bruit, c'est plutôt les moteurs. Donc les moteurs doivent être découplés. Donc là, vous avez un exemple d'un moteur. Donc là, on est sur une machinerie embarquée, il me semble, si je ne me trompe pas. Et donc là, on voit qu'il est posé sur un tapis. Voilà, en fait, là, ici, le matériau qui est là, ça, c'est un gros plot anti-vibratile. Voilà, pour éviter donc de transférer la vibration moteur vers le support qui, lui, est fixé. Oui, d'ailleurs, je dis des bêtises, il ne doit pas être embarqué sur. Ah bon. Généralement, il est fixé une ossature et on a une liaison avec la cage. Un petit dernier mot sur les matériaux biosourcés. On m'a demandé d'en parler un petit peu. C'est toujours intéressant de travailler sur des nouveaux matériaux. Enfin, je dis nouveaux, on ne peut pas dire que la laine de mouton soit nouvelle, mais dans la construction plus récente, enfin en tout cas, pas forcément très connue, je veux dire, et pris en compte dans les études récemment. En acoustique, on a tendance à ne rien refuser par principe au niveau matériaux et plutôt à considérer des propriétés générales. Donc à partir du moment où on est sur des produits type laine de bois, laine de chanvre, bois de cellulose, des matériaux fibreux, c'est des matériaux a priori bons pour l'acoustique. Alors aujourd'hui, on sait avec les retours que la laine de bois, en effet, laine de chanvre, bois de cellulose sont des produits qui fonctionnent en remplacement de la laine de verre, par exemple. La problématique de ces produits, elle est plutôt, je pense que dans tous les corps de métier, toutes les ingénieries, le problème du retour sur la pérennité des propriétés dans le temps. À partir du moment où pour nous c'est bon, après on sera plutôt sur des problématiques économiques ou autres. On a moins de retours sur tout ce qui est laine de mouton, paille, lin, plune. Les matériaux terre cuite, terre crue sont des matériaux plutôt pour nos types maçonnerie. Ça va très bien. Enfin, à partir du moment où on a un mur épais, un peu lourd, acoustiquement, ça sera très bien. Les problématiques seront plutôt sur ce qui viendra s'accrocher dessus. Donc le matériau en lui-même pour les murs, en acoustique, on n'aura pas de soucis. Évidemment, attention à tout ce qui est aussi éventuellement des trous, des éléments d'accroche, etc. Et le liège, alors le liège a une connotation acoustique assez forte. J'en entends parler un petit peu dans tous les sens, pour tous les usages. Alors le liège peut être utilisé bien sûr, mais c'est surtout pour amortir les chocs. Éviter de tapisser les murs de partout, ça va peut-être pas vous apporter grand chose. Donc c'est un matériau amortissant pour faire des sous-couches. Voilà, je vous ai mis quelques petites références de documentation. Pour l'acoustique du bâtiment neuf d'habitation, agence qualité construction, c'est plutôt mise en œuvre. Un guide sur lequel j'ai récupéré quelques illustrations pour aborder de manière plus complète l'efficacité acoustique et associée à l'efficacité énergétique. Et je vous invite à jeter un œil au référentiel Habitat-Environnement, qui est le référentiel le plus avancé de l'association Qualité, dans lequel vous avez les solutions de mise en œuvre qui correspondent à l'atteinte du confort, enfin de la réglementation et d'un confort acoustique dans le logement. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de votre patience. Okay.